Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui en ce 29 mai 2022, nous sommes partis pour une petite promenade parce que le temps n'est pas censé être superbe toute la journée aujourd'hui. Donc nous sommes partis pour une petite promenade sur le plateau de Saint-Barnabé, histoire juste de se dégourdir un peu les jambes et de revisiter les lieux. Allez, c'est parti. Juste les petits oiseaux, les insectes. Écoutez ces bruits de fond. Bon, mis à part l'avion qui passe un peu au loin, c'est quand même plus agréable d'écouter les bruits des petits oiseaux, des coucous au loin. Alors, petite nouveauté cette semaine. Pour une fois, j'ai emmené mon Zoom HKTN Pro pour pouvoir capturer et ma voix et les sons d'ambiance pour que ce soit plus audible plutôt qu'avec ma caméra, avec le micro de ma caméra. Donc j'espère que vous entendrez mieux.
Bon, et bien après cette petite pause drone ainsi que la pause time-lapse, on va reprendre notre route et continuer à se balader un peu sur le plateau. Alors, pour tous les ufologues amateurs, paraît-il, le plateau de Saint-Barnabé serait un lieu parfait d'atterrissage pour les ovnis. Ce qui fait qu'à certaines périodes de l'année, eh ben, y a foule ici pour tenter d'apercevoir les ovnis venir se poser. Ils y passent la nuit, ils sont contents. Moi perso, j'en ai jamais vu ici. Dommage. Je suis sûr que j'aurais explosé mes compteurs YouTube si j'avais eu un ovni sur mes vidéos. Avec tous ces rochers, il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits où les ovnis pourraient se poser quand même. Bon, nous avons de plus en plus de nuages. De ce côté-ci, ça va à peu près. Ils sont pas trop menaçants, mis à part au-dessus des gorges là-bas, ça va. Là, ça commence à bien noircir. Par là aussi. Alors, petit point pour situer un peu ce plateau de Saint-Barnabé, pour ceux qui ne connaissent pas. Devant nous, nous avons la montagne du Chéron avec de l'autre côté la station de ski de Gréolières-les-Neiges. Dans cette direction, nous avons le col de Vence. Et ce qu'il y a ici, c'est on va dire la montagne qui permet de monter au sommet de Courme. Très jolie balade aussi à faire. Qu'est-ce que c'est agréable, ces bruits. Eh oui, ils ont dû s'amuser pour épierrer tous ces terrains. Malgré tout ça, ils n'ont pas bougé. Dame Nature fait quand même des choses magnifiques. Incroyable toute cette pierre. Bon, par contre, à part le coucou, je pourrais pas dire ce que c'est les autres oiseaux. J'y connais malheureusement strictement rien. Ni cette sonnerie de notification, ça par contre je sais ce que c'est mon téléphone.
Fatigue, les filles. Bon, eh bien, comme on peut le voir, le temps est bien en train de changer, hein. Donc il devrait tomber quelques gouttes d'eau d'ici peu. Le chéron a disparu. Donc j'ai bien fait d'aller me balader ce matin, car à mon avis cet après-midi, il risque d'y avoir quelques gouttes. Bon, et bien sur ce les amis, je vous dis à bientôt, quand le temps le permettra et que mon emploi du temps surtout me le permettra. Peut-être que la semaine prochaine il n'y aura peut-être pas de vidéo, je ne sais pas encore quel est mon emploi du temps. Donc je vous dis à bientôt. Et à la prochaine pour vous retrouver sur les sentiers. Ciao.